votre émission Rimes Croisées Live. Ce soir, nous recevons Bahan. Il a été Prix Découverte RFI en 2009, auteur de l'album Ndeysan en 2011. Cette année, en 2020, en début d'année, il a sorti l'album Mode Tête, qui est tout frais, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Bahan, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Yes, bonsoir. Je te laisse dire un bonsoir aux auditeurs ou aux téléspectateurs ou internautes. Comment? Je te laisse dire un bonsoir aux internautes qui nous regardent. D'accord, ben, je dis bonsoir à tout le monde. Écoutez, je suis très content d'être parmi vous ce soir. Youssouf, je te dis bonsoir et je dis bonsoir à tous les internautes qui sont là aujourd'hui en Mauritanie, en France. Salam alaykoum, comme on dit. Salam alaykoum. Alors, voilà. on va commencer. Yes. Ouais, tu disais? Comment? J'ai cru entendre que tu parlais. Non, j'ai dit assalamu alaikum à tout le monde, voilà. D'accord. Yes. Alors, je vais dire Bahan, alias Chico. Je vais commencer par ça. Moi, personnellement, je t'ai connu en tant qu'alias Chico avec Black Muslim. Ensuite, il y a eu Bahan avec l'album Ndeysan. Aujourd'hui, vous êtes revenu avec un nouveau nom ou on vous connaît avec un nouveau nom sur la scène qui est Bahan. À quoi est dû ces différents changements de nom à chaque fois? Alors, je vais commencer d'abord par Alias Chico. Vous savez, Alias Chico, c'est quand j'ai commencé à faire de la musique. J'ai commencé par le rap et j'ai été donc dans le groupe Black Muslim. Ensuite, j'ai été dans un collectif, on va dire, de plusieurs rappeurs qui s'appelait BMW, où il y avait Paco Legno, il y avait Baba Kone et il y avait d'autres artistes, en fait. Et donc, pendant tout ce parcours, je m'appelais Alias Chico. C'était un nom donc d'artiste rappeur, on va dire. Voilà, donc ça a commencé comme ça. Et par la suite, j'ai intégré donc un groupe de musiciens qui s'appelait Bugil Africa, où il y avait Papis Kone, d'ailleurs, que tout le monde connaît, quelqu'un qu'on ne présente plus. Voilà, Papis Kone, qui chantait, qui dansait, rappeur aussi. Et par la suite, donc, j'ai toujours gardé ce nom, Alias Chico. Jusqu'au concours RFI, je me suis donné le nom d'artiste Bahan. Donc Bahan, c'est mon deuxième prénom déjà. Je m'appelle Cheikh Bahan. Bahan, c'est mon deuxième prénom. Et Bahan, donc, s'écrit avec KH. KH, chez nous, en tout cas, on appelle ça Bahan, comme on va dire Khadi. Et il y a des gens aussi qui diront Kadi. Voilà. Donc Kadi ou Bahan. Je pense qu'il y a plusieurs raisons aujourd'hui le changement d'orthographe de Bahan a plusieurs raisons et je ne vais pas toutes les citer. Je pense que la plus importante est celle-ci. C'est parce que tout simplement il y a des gens qui ne prononcent pas forcément le Bahan que je veux entendre, le Bahan qui est mon prénom. Des gens diront Bahan, d'autres diront Bahan. Et en français, le RH se lit R. Et du coup, c'est juste donc un changement d'orthographe, mais pas de prononciation. Donc, c'est toujours Bahan. Le K a sauté et a été remplacé par un R, mais ça fait Khan, du coup. Et aujourd'hui, ici, où je vis, les gens pourront m'appeler Bahan. Ce que j'aimerais bien entendre et ce qui est mon prénom, justement. on s'est trop habitué au nom Bahan ou Bahan. Aujourd'hui, c'est Bahan, comme on dit. Voilà, on va s'y habituer et puis prendre la routine et l'habitude du nouveau nom. Oui. Alors, votre dernier album. Youssouf, vous savez, chaque changement de nom ou de nom d'artiste, en tout cas, a été accompagné par un projet donc qui me transporte, m'amène ailleurs.
J'ai commencé donc par le rap en étant allé à Chico. Ensuite, j'ai fait de la musique en faisant de la world music en m'appelant Bahan. Et aujourd'hui, bon, le R a remplacé le K, mais ça ne change pas. Donc, c'est toujours Sorry. Donc, c'est Donc voilà. toujours. Ouais, comme je disais, le temps que vous replacez votre caméra, nous sommes en direct avec Barhan. Je rappelle qu'il a sorti son deuxième album qui s'intitule Mots de tête, qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales, comme je l'ai dit. Donc, si vous venez de nous prendre en cours, je lui ai posé la question à savoir pourquoi les différents changements de son nom de scène, à savoir nous l'avons connu sous le nom de alias Chico. Ensuite, il y a eu Bahan. Aujourd'hui, il se nomme tout simplement Barhan. Il était en train de nous dire que ces différents noms ou chaque nom définit une époque précise, alias Chico, à savoir à l'époque du rap quand tu l'as commencé. Et puis aujourd'hui, Bahan. Donc voilà, le temps que Bahan revienne, nous allons regarder un clip qui est inclus, extrait de l'album Mots de tête. C'est tout simplement Jam, un magnifique clip que je vous propose. Oui, un clip à voir également sur YouTube. Il est disponible sur la chaîne Barhan de YouTube. Et puis, si vous n'avez pas encore écouté l'album, vous Je suis de pouvez retour. aller l'écouter. Finalement, Barhan est revenu. Nous allons quand même regarder le clip et revenir après. Il s'agit de Jam. Alors, on vient de regarder un extrait du clip, un clip qui est extrait de l'album, comme je l'ai dit tantôt, un clip qui est disponible sur YouTube, que vous pouvez aller checker, revoir. C'est un magnifique clip que moi, personnellement, que j'adore. Il y a de très belles images. J'en ai parlé tout à l'heure avec Baran au téléphone. C'est comment le clip a été réalisé? Alors, le clip a été réalisé déjà par donc des professionnels, des gens qui travaillent dans le cinéma. Et ben, au départ, en fait, on était parti sur faire en gros des ombres. Voilà, faire les ombres. Et par la suite, ben, on a eu l'idée de rajouter de l'encre. Voilà, c'est ce qu'on appelle les ombres chinoises en cinéma. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est réalisé par une rencontre de personnes que D'accord. j'ai Je disais tout à l'heure que, excusez-moi, votre dernier album est sorti il y a 9 ans.
qui s'appelait Jam. Je dis Jam, je suis resté sur le clip Jam, je parlais de Nissan. Pourquoi Ouais. avoir attendu autant de temps? Alors, pourquoi avoir attendu autant de temps? Vous savez, bon, la musique, en tout cas en ce qui me concerne, est un très long chemin. Voilà, la musique, ça prend du temps. Ça prend du temps. J'aurais pu peut-être sortir à maintes reprises des albums, mais pendant tout ce temps, ben, j'ai été un petit peu dans la recherche et dans la fusion. Vous savez, au départ, en fait, je fais de la musique et mon but, mon objectif, donc aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver une musique mauritanienne où tout le monde se retrouve, on va dire. Donc, ça a commencé par Ndeysan. Ensuite, aujourd'hui, Mots de tête. Et Mots de tête, donc, c'est une fusion de plusieurs musiques. Et malheureusement, bon, ce travail, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Et j'ai, à un moment aussi, j'avais arrêté, on va dire, entre guillemets, de la musique. J'avais arrêté la musique. J'étais parti aux Antilles. J'ai vécu 2 ans aux Antilles. Sur d'autres choses et aussi à la découverte de la musique. Bref, donc c'est ce qui explique en gros toute cette attente. Voilà, j'ai attendu D'accord. longtemps, mais justement j'ai attendu pour justement pouvoir, comment dire, mieux avancer et mieux maîtriser ce que je fais. Depuis tout ce temps, ben, je n'ai pas arrêté de chercher et de persévérer, en tout cas dans la musique. Là, le morceau que nous venons d'écouter, ben, Jam, c'est musicalement, c'est une fusion de la musique moderne, donc le jazz et la musique africaine traditionnelle. Aujourd'hui, en tout cas, j'ai pris moi au départ le wango qu'on connaît, le wango dans la Oui, culture qui est peul. une musique, voilà, que nous connaissons. Voilà, c'est ce wango-là aujourd'hui que j'ai pris et que j'ai essayé de fusionner avec le jazz. Et quand on écoute cette chanson, on entend bien le saxophone qui fait. Oui. Donc voilà, ça, ce sont des choses qui ne viennent pas comme ça, en fait, du jour au lendemain. Ça demande un peu de recherche et ça demande un peu de travail. Et c'est pourquoi, en tout Donc, voilà. cas. C'est pourquoi, excusez-moi, c'est pourquoi l'album, vous avez pris autant de temps à construire un album d'une pareille qualité. Alors, justement, on va rester sur cet album. Ouais. J'ai des chroniqueurs dans cette émission qui ont écouté l'album et qui vont nous livrer leurs avis, Mmh. à D'accord. savoir Moka et D'accord. Mahmoud qui vont nous rejoindre. Là, à l'instant même. Les Super. gars, j'espère que vous êtes là. Ils ont écouté l'album, donc ils vont D'accord. nous dire qu'est-ce qu'ils en ont pensé. Moi, j'ai hâte de découvrir leurs avis. Leur Moka avis. est là. Bonsoir, Moka. Bonsoir You, bonsoir Baran, bonsoir tout le monde. Bonsoir mon gars. Bonsoir, Mahmoud. Je reviens vers toi juste après. Barhan, je te présente Moka, un Mauritanien qui vit en Guinée et qui est passionné de la musique. Enchanté mon gars. Tout le Et plaisir puis est pour on moi. a également Mahmoud qui est Mauritanien Bonsoir, aussi. bonsoir You, bonsoir Barhan, bonsoir les internautes. Bonsoir. Alors, on va commencer par Mahmoud. Toi qui as écouté l'album. Vas-y, dis-nous tout, qu'est-ce que tu en as pensé? Ah, donc, merci You. Donc, Barhan, moi, je vais commencer par vous dire que je suis fan. Ah, très sympa. J'ai assidûment écouté votre album Ndeysan à sa sortie en 2011. Et pour vous dire à quel point j'étais fan, mon morceau préféré changeait à chaque fois au fur et à mesure que j'écoutais l'album. C'est pour cela, c'est avec cet état d'esprit que je suis entré et que j'ai commencé à écouter votre album Mots de tête juste quand on préparait l'émission. Et donc, je m'attendais à retrouver le Bahan que je connaissais,
avec une version un peu plus mature, vu qu'il y a eu du temps qui est passé. Donc, cependant, j'ai plutôt retrouvé un bakhan avec un nouveau son que je dirais un peu plus avec beaucoup de saxo, un mélange de jazz et de rock alternatif. Donc, je pense que bakhan nous entend. Oui, Ok, Barhan, tu nous donc entends? j'ai. Barhan, je pense que votre micro est coupé. Est-ce que vous pouvez le réactiver, s'il vous plaît? Voilà, ce sont les aléas du direct. Hein. Donc, il faudra s'y faire. Et puis, le temps que ça se règle, Mahan, Barhan. je pense que tu peux juste tenir le téléphone avec ta main, hein? Là, il y a son micro est muté en fait. Il n'y a pas de son. On va patienter, on va attendre. Le temps que tu règles son Alors. un souci technique avec notre invité Barhan, qui va quand même nous Là, c'est retrouver. bon. Voilà, le voilà, le voilà, le Ouais. voilà. Allez. Donc, Alors, c'est Bahan, je bon. pense que tu peux garder ça avec ta main, c'est Ah, mieux. je vais le tenir à la main, c'est mieux. Voilà, exactement. Ça Donc, je marche. disais que, bon, c'était avec l'état d'esprit d'un fan de l'album Daysan que j'ai commencé à écouter l'album Mode de tête. Et donc, je m'attendais à retrouver le bakhan de Neysan. J'ai retrouvé un autre bakhan avec un style de musique que je dirais, moi, un peu compliqué, avec beaucoup de saxo, un mélange de jazz world, de world music et de rock alternatif. Donc, comme vous l'avez appelé, du jazz fusion. Et donc, avec des petits moments rap et slam. Donc, Exact. l'album est composé de 7 morceaux et commence avec le son Bird Seeds. Donc, c'est une chanson en anglais qui commence doucement et qui finit avec des notes aiguës de ta voix, un peu comme une litanie plaintive. Ensuite, il y a le single Jam qu'on vient d'écouter, qui a des influences hip-hop, même dans la musique, et qui alterne des saxos avec des parties rappées et un chant qui appelle à la paix. Exact. Donc, j'ai parlé de saxo. Donc, c'est un instrument qu'on retrouve tout le long de l'album, avec le son des sons suivants où on vous entend en Poular, en Wolof, en Hassania, en français et en Bambara même, je crois. Donc, je reviendrai sur le morceau Mot de tête qui est titre de l'album où tu déplores un peu le climat confus et anxiogène qui règne dans le monde. Ensuite, je dirais que l'album finit avec un son qui s'appelle Rêverie, qui commence avec une ballade avec une phrasée où le R il est très roulé, un peu comme avec les anciennes chansons françaises, comme un peu comme sur La Foule de Édith Piaf, et qui finit avec un petit moment rock. Donc, en somme, moi, je trouvais que c'est un album avec beaucoup de musique, avec différents instruments et surtout beaucoup de saxo. Je dirais même un peu trop de saxo. Donc, moi, personnellement, On ce t'appelle n'est pas le pas un album qui me saxophone. parle. Donc, je crois que par rapport à Ndeysan, l'album, il m'a manqué un peu ce supplément d'âme. Il m'a manqué le côté folk et patriotique qu'on retrouvait dans Watan ou Démocratie. Il m'a manqué la tristesse et l'allégresse que je ressentais à l'écoute de Ndeysan ou de Disparition. Et enfin, il m'a manqué le cri du cœur, qui est l'Yolele. Bref, vous l'aurez compris, je ne suis pas fan. Je suis fan de l'album Ndeysan, mais je ne suis pas fan de l'album Mot de tête. Peut-être qu'il n'est pas fait pour moi. Alors, Exact. là, on a vraiment, comment on appelle ça? C'est un fan qui parle.
On l'a vraiment compris. Alors, Barhan, que pensez-vous de ce que vient de dire Mahmoud? Ben moi, je pense qu'il a totalement, comment dire, il est totalement libre d'aimer Ndeysan plus que Maux de Tête, peut-être. Justement parce que la musique a peut-être changé et il n'y avait pas de sax sur le premier album, ni de piano. Et aussi, ben, c'est normal, vous savez. Moi, je connais beaucoup d'albums de Babamal et je ne les aime pas tous non plus. Et je connais beaucoup d'albums de Youssou N'Dour, je ne les aime pas tous. Ainsi de suite, de Salif Keita, de Smaïlo, d'Alpha Blondy, et je ne les aime pas tous. Du coup, il a parfaitement le choix de pas trop, plus, en tout cas, de préférer Ndeysan. Et vous savez aussi, il y a comment on appelle, il y a l'effet de nouveauté. Vous savez, c'est normal. Quand tu écoutes aujourd'hui Ndeysan, tu l'écoutes avec 10 ans d'histoire. Donc, ces 10 ans d'histoire, ben, ça, comment dire, comment dire, c'est du vécu. Ce vécu, ces morceaux qu'on écoute pendant toutes ces années vous rappellent forcément des choses. Et ça, c'est tout récent, c'est il y a 3 mois. Et peut-être dans 10 ans, ce sera Peut-être que autre. dans 10 ans, Peut-être bien, mais moi, peut-être c'est plutôt dans le style de musique sur lequel vous êtes allé, où j'ai, comme je vous dis, c'est pas par nostalgie, mais c'est parce que j'ai perdu ce supplément d'âme que je retrouvais, mais dans cette nouvelle musique que je ne retrouve pas. J'ai essayé vraiment, comme vous le dites, d'écouter plusieurs fois, mais j'ai pas retrouvé cela. Ben écoutez, Je c'est pense que c'est. de la world music et c'est du jazz, donc c'est différent. D'accord, voilà, on sent la différence. Alors, Voilà. je vais passer la parole à Moka. Ça marche. Alors, merci You. Alors, je vais essayer un peu de revenir sur la carrière de notre invité que je ne connaissais pas. Je viens de le découvrir. Et donc, forcément, je vais avoir une approche qui est autre que celle de Mahmoud qui a consommé l'album de Ndeysan à son temps. Malheureusement, je n'ai pas eu, moi, cette chance. Donc, voilà. Ndeysan, qui est votre premier album, qui est un album live studio, que je trouve est très bien réalisé. Il a été réalisé à Paris avec, à la clé, une tournée en France et une tournée en Afrique. Maux de Tête, votre nouveau album live studio, sorti en fin de l'année dernière, enregistré entre le Kenya et la France. Non seulement vous chantez, mais aussi vous y jouez de la guitare, de la percussion sur ce projet, sans oublier les compositions et l'écriture. Diam, qu'on vient de voir, premier single de l'album est le seul ayant bénéficié d'un support clip à nos jours. Les singles Birdside et Doumataya ont suivi. Vous revendiquez votre style comme étant dit afro-jazz, avec un timbre de voix très puissant, à la Carlo Di, j'ai envie de dire, qui est dans le même genre au niveau du son, avec une forte influence traditionnelle associée à du jazz and blues. Pour ce dernier album, vous faites appel à une entreprise de financement collaboratif pour finaliser et sortir votre produit. Je pense qu'on peut le citer, Kiss Kiss Bank Bank, un site européen du financement participatif sur le modèle de Kickstarter aux États-Unis. Donc là, on sent vraiment que le nerf de guerre est le support financier. Le manque de fonds se sent sur l'absence de marketing et communication. Comme je l'ai dit, moi, avant aujourd'hui, je ne vous connaissais pas réellement. J'avais entendu quelques fonds tels que Olélé avant, mais pas plus. Et on sent ça au niveau de la visibilité. Il y a une faiblesse à ce niveau. À titre d'exemple, sur votre chaîne YouTube, vous avez moins de 200 followers et sur la plateforme de Deezer, vous n'avez pas de fans. Bon, maintenant, vous en avez un. Je suis de devenir un fan au niveau de Deezer. Et donc, il y a aussi assez de clips. Donc, on sent vraiment qu'il y a un souci sur ce côté marketing et communication. Après, voilà, il y a Mahmoud qui signale que aussi il est fan maintenant, donc vous en avez deux. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est ce qui explique un peu le manque de visibilité par rapport au grand, par rapport au public plus large. Après, vu le style très select
sur lesquels vous évoluez. Il est normal que votre musique parle plus à une niche de mélomanes qu'à un public plus large qui est en général très mainstream. Ouais. Voilà, juste la petite présentation que je voulais faire et partager avec nos auditeurs qui nous suivent, voilà, la découverte que j'ai faite. Peut-être qu'eux aussi vous découvrent et puis voilà. Barhan, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Mahmoud, merci. Moka. Merci pour, Moka. pour ta réaction. Alors, je vais juste revenir un peu sur ce que Mahmoud a dit. Moka, pardon. Alors, comme vous l'avez dit, cet album, je l'ai finalisé en faisant de la pré-vente. Oui. Peut-être que vous ne savez pas ce que ça veut dire. Voilà, vendre l'album avant la sortie. J'ai finalisé mon album en faisant de la pré-vente. Cet album, je l'ai financé personnellement et j'ai financé aussi mon clip. Et je ne vous dirai pas combien j'ai mis d'argent pour en tout cas réaliser cet album. En coulisses. C'est pas important. alors. Et est-ce qu'il s'agit donc des fans, vous savez, cette prévente a été faite et c'est que des fans qui ont acheté d'avance, qui ont payé d'avance donc leur album, d'accord. Donc des fans, c'est sûr que j'en ai. Comme tout artiste. Bien sûr. Maintenant, Deezer, vous me parlez de YouTube. YouTube, vous savez que j'ai changé de compte de Facebook déjà. Donc, j'avais, je ne sais pas, plus de... En 2015, j'étais à plus de 2000-3000 fans. Je suis revenu, quand je suis revenu donc, des Antilles, j'ai changé de compte. Ça, c'est une chose. Et YouTube, est-ce que vous avez consulté la date de la création de cette chaîne YouTube? Vous savez. Vas-y, dis-nous. Non, je ne vais pas vous le dire. Vous êtes journaliste, c'est votre travail d'aller consulter avant de dire. On est des chroniqueurs, en fait. Alors, sur Deezer, pareil. Deezer, c'est récent. Je viens de mettre donc, cet album. Cet album, je l'ai mis il n'y a même pas un mois de cela. Dans Deezer, Spotify. Donc, c'est un mois, quelques jours. Et c'est normal. Et en plus, je ne communique pas par Deezer ni par Spotify. Je suis sur Facebook, et ben, d'où peut-être le manque de personnes qui suivent. Et puis, écoutez, de toute façon, ce n'est pas mon travail de faire de la communication. Moi, mon travail, c'est de faire de la musique. Et aujourd'hui, en tout cas, j'ai fait une musique... à laquelle je suis fier, parce que je sais que ça m'a demandé du travail à réaliser en tout cas cet album. Et en tant que musicien, je suis très satisfait de cet album, plus encore que Ndeysan il y a 10 ans. D'accord. En fait, je pense qu'on n'a pas très bien compris. Je suis d'avis par rapport aux efforts qui sont fournis et tout. Je voulais juste attirer l'attention sur l'aspect visibilité. Je pense qu'elle vous faut un peu défaut, même si ce n'est pas vous qui la gérez forcément. Mais il y a des techniques. Par exemple, là, vous avez parlé de YouTube, du compte Facebook que vous avez changé. Il y a moyen, ouais, avec la communication au niveau de Facebook pour récupérer les followers, ouais, que vous aviez avant. Donc, c'était juste, ouais, pour dire que vous, ouais, allez bénéficier d'avoir plus de visibilité, ouais, même si votre musique, encore une fois, elle est... Oui, mais vous savez la quantité, c'est important. La qualité, c'est mieux encore. Je pense que ma musique aujourd'hui, en tout cas, elle est écoutée par des gens qui la trouvent super. Et, par rapport à Ndeysan, j'étais peut-être reparti en Afrique et faire des concerts en Mauritanie, etc. Ben, pour l'instant, là, c'est impossible. C'était prévu, mais malheureusement, ça tombe à l'eau. Et c'est normal aussi qu'il y ait, en tout cas, un nouveau public. C'est un nouveau public avec ce nouvel album. Voilà. Bref. Donc, nouveau album. La com. Nouveau album. Nouveau public. On, on,
on l'a compris, on l'a compris comme ça. Mahmoud avait donné tout à l'heure son avis. Mahmoud, j'ai envie de te dire, de te donner la parole et me donner un deuxième ressenti de ce que tu as durant ton écoute. Donc, moi, je vais plutôt continuer sur la même voie. Comme j'ai dit à la fin de ma dernière analyse, je pense que cet album n'est pas pour moi, mais je pense que Bahan connaît exactement pour qui l'album est. Il a un public qu'il a ciblé et ça se ressent même par rapport à la manière dont l'album est sorti avec la campagne sur le site Kiss Kiss Bank Bank où vous avez fait une prévente. Votre cible, c'était 150 préventes. Vous avez eu 155 préventes. Donc, on peut dire que pour la prévente, c'était un succès. Après, moi, je pense que vous avez choisi un style de musique qui n'est pas mainstream, c'est-à-dire qui n'est pas pour le grand public. Il y a un public spécialisé. Et si je comprends bien votre stratégie de monétisation de l'album, c'est moins dans la vente directe ou les streams. La preuve, il y a à peine un mois que vous avez ajouté l'album dans Deezer et Spotify. Mais je crois que votre stratégie de monétisation, c'est plutôt de faire des tournées, de faire des festivals, de faire des apparitions dans des bars spécialisés. Est-ce que c'est ça votre stratégie? Et est-ce que cette stratégie s'est avérée payante? Alors, vous savez, moi, je n'ai pas de stratégie. C'est-à-dire que moi, je suis musicien. Je suis un artiste musicien et je crée des œuvres. Maintenant, ces œuvres, je les crée, c'est normal, selon les moments que je vis, selon l'atmosphère, selon... Il y a beaucoup de choses qui peuvent influencer mes créations. Forcément, moi, personnellement, en tant que musicien, donc qui joue et qui sait de quoi je parle, je ne vois pas trop de différence entre l'album Ndeysan et l'album Mots de tête, à part le saxophone que j'ai rajouté et le piano. Et je chante en français et en anglais. Voilà les seules différences qu'il y a entre les deux albums. Je pourrais vous les décortiquer rythme par rythme, mélodie par mélodie, et vous expliquer qu'il n'y a pas forcément trop de différence. Si vous prenez par exemple Démocratie, je vais rajouter deux coups de saxophone dessus et deux coups de piano, ça va faire exactement à peu près pareil que Jam. Donc là, la musique, pour revenir un peu en tout cas sur la musique n'a pas forcément changé. Et je n'ai pas de stratégie, comme je le dis, parce que je suis un créateur. Je ressens, je crée. Là, cette fois-ci, ma musique a été influencée parce que j'ai vécu aussi au Kenya et on fait beaucoup de jazz au Kenya. Je vis depuis 6-7 ans en France et il y a du jazz en France et je continue ma démarche en m'ouvrant de plus en plus, m'ouvrir. C'est-à-dire qu'au début, Ndeysan, vous ne pouvez pas le qualifier comme étant de la musique traditionnelle. Ce n'est pas de la musique traditionnelle, c'est une musique qui a été fusionnée. Bahan, excusez-moi, je vais juste vous interrompre en posant une question. Désolé, hein. Est-ce qu'on peut dire que l'album Mots de tête vise un public spécifique? En fait, l'album Mots de tête vise toute personne qui est capable de comprendre de quoi je parle dans cette musique, tout simplement, en fait. Je ne vise pas. Je ne suis pas en train de viser. Je suis en train de parler à des gens qui sont capables de comprendre ce que je dis. Ok, si je comprends bien, Bahan, vous êtes un musicien dans l'âme, vous créez, et peut-être exact. C'est à d'autres personnes de vendre cette musique et autres. Donc vous, c'est plutôt par des influences, comme vous le dites, vous avez travaillé avec un saxophoniste kényan, un pianiste kényan, d'après ce que je vois au moment de la création de l'album. Et donc, ouais. Peut-être que ça, c'est ça qui a influencé votre album et votre direction artistique.
Mais que ce n'est pas influencé par un public que vous visez, c'est ça? Non. Oui, en fait, voilà. Moi, je fais pas de la musique. Du coup, je fais pas de la musique commerciale. Ça, on est d'accord. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de regarder ce que le public aime et créer par rapport à ça. Je fais pas ça. Moi, je crée ma musique. Je dis, voilà ma musique. Vous aimez, vous consommez. Vous aimez pas, c'est pas grave. Et c'est comme ça que Mais je vis ma musique. financièrement, est-ce que vous est-ce que vous espérez vivre de votre musique? Parce que ça Mais va de pair. Mahmoud, 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 s'il te plaît. Mahmoud, s'il te plaît, tu vois Écoutez, juste. écoutez, Barhan, vous excusez-moi, savez, ça c'est une question. Excusez-moi, attends. Barhan, c'est une question à laquelle j'aimerais qu'on revienne. Tu vas juste mettre pause sur cette question, à savoir le finance. Est-ce que vous vivez de votre musique? J'aimerais entendre un avis de Moka. Et D'accord. puis ensuite, on reviendra sur cette question. Sur cette question, ça marche. Alors, oui, j'aimerais un peu revenir sur votre dernier album. Bon, vous faire une D'accord. analyse de ce dernier. Et vous comprendrez tout de suite que tout à l'heure, on était parti sur une mauvaise base parce qu'on était sur les finances. Et je vis que vous semblez être un peu sur la défensive par rapport à l'album. Donc là, j'ai oublié ce que moi je pense de votre album que j'ai écouté tout récemment, que j'ai découvert. Alors, l'album Mots de tête, comme je l'ai dit plus tôt, ça s'adresse à une niche, une toute petite niche, j'ai envie de dire, avec des sonorités électriques, un son très street jazz dans la composition, surfant sur une vibe de rhythm and blues C'est avec un groove acoustique, hip-hop. c'est acoustique, c'est, il n'y a pas d'électrique dans mon truc. C'est plus Le acoustique son. là, mon gars. Oui, le son. Oui. Le son, je le trouve électrique. Ça ne veut pas D'accord. dire qu'il y a une guitare électrique. C'est une expression. Dans le D'accord. sens, le son, il fouette. D'accord. D'accord? Donc voilà. Donc je disais aussi avec une forte influence groove, hip-hop. Voilà. Et du street underground. Donc je trouve que l'album, il est porté par des sons comme le très percutant jam, avec un fond sonore underground. Ou le très rageur, ou rageur, mot de tête, un son qui est dénonciateur dans le texte, et toujours très street sound. On peut encore citer la délicieuse promenade, pour ne pas dire une balade, le son revenir, que je trouve très mélancolique et théâtral dans la proposition de chanter avec une finesse acoustique. Cependant, le Kemit reste mon son. Le plus abouti musicalement. Je le trouve très hip-hop. Il me fait penser à un son iconique et classique de Eminem, My Name Is, au niveau de la base. Donc voilà, ça me fait penser à ce son-là. Et aussi au niveau de la prod. Maintenant, toute la lignée de la chanson, je pense qu'il y a tout qui me plaît. La composition, les riffs, la percussion, la base, le tempo. Comme je pense que vous l'aurez compris, que Kemit est mon coup de cœur au niveau de cet album, que je trouve être un très bon voyage sonore et un album de très belle facture. Alors, Barhan, Oui. que pensez-vous de cet avis de Moka? Ben écoute, c'est très gentil de ta part, Moka. Je vais juste dire, est-ce que, ça c'est une question que je vous pose. Est-ce que quand je vous dis que dans Jam, il y a du Wango, est-ce que vous l'entendez ce Wango ou pas? À tous. Moi, je C'est une dirais question. non. Non, vous ne l'entendez pas. Et quand je vous dis que Butt Seeds, c'est une fusion de fond musical d'un rythme appelé serbat en Mauritanie, un rythme mauritanien qu'on appelle serbat, est-ce que vous entendez ce serbat dans Butt Seeds? Il doit être beaucoup plus sous-entendu. Sous-entendu, d'accord. C'est pas Bon. le terme exact, j'ai pas Alors, pu je vais revenir encore un petit peu sur la musique parce que j'y Oui. tiens. Comme je vous l'ai dit, je suis parti au départ pour fusionner plein de musiques mauritaniennes, donc de toutes les cultures mauritaniennes, parce que voilà. Et cette fusion n'a pas bougé, en fait. Cette démarche n'a pas changé. C'est cette démarche que j'entretiens toujours. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, je l'ai encore
plus ouvert. C'est-à-dire que je vis en France. Et en arrivant en France, ben, j'ai découvert aussi qu'il y avait d'autres musiques. Et ces autres musiques, ben, c'est le hip-hop. D'ailleurs, vous parlez du hip-hop. Le hip-hop, je le vis, je le joue depuis, j'ai commencé par ça. Et le jazz. Donc, le jazz aussi, qui est une musique qui est faite ici en France, aux États-Unis et partout dans le monde. Donc, la seule différence, c'est que je me suis encore, comment dire, j'ai fait un pas encore en avant. Mais pour moi, en tout cas, je n'ai pas forcément changé de musique. Mais en tout cas, La direction musicale. tes remarques sur Kemit sont super sympas. C'est du hip-hop, c'est sûr, mais avec toujours derrière un fond musical mauritanien. Alors, vous avez parlé d'influence ou de fusion dans Jam. J'aimerais savoir à partir d'où un peu ressentir ou entendre cette fusion-là. Ben, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure Le en bongo commençant. dans Jam. Je vous ai dit au Expliquez-nous. début, je vous ai dit au début que le saxophone jouait du wango. D'accord? Maintenant, on n'a pas l'habitude que du sax joue du wango. Moi, c'est ça ma démarche. En fait, c'est de dire, OK, on a l'habitude de faire ça. Bon, OK, moi, je vais le faire de cette manière. Quand je te dis que le sax joue du wango, ben, il joue du wango. Maintenant, je l'ai fusionné avec du hip-hop. Hein? Je l'ai fusionné avec du hip-hop. Et justement, c'est ce qui est intéressant. Il ne faut pas que ce soit du wango, mais il ne faut pas non plus que ce soit du hip-hop. Mais croyez-moi, on met une flûte à la place, ça devient autre chose. Alors, si C'est juste une question, c'est juste une question d'habitude, de sonorité. si j'ai bien compris, vous êtes en train de nous expliquer, de nous dire que, je donne un exemple, qu'on peut jouer des notes de guitare à partir d'un piano. Ben oui, ça c'est OK. même, ben ça c'est même pas, D'accord. ça c'est D'accord. sûr. Je On prend, retourne. je vous Allez-y. ai dit tout à l'heure, sur Jam, ça fait, Avec le c'est saxophone. Vous semblez maîtriser. Alors, juste avant de donner la parole à Mahmoud, de revenir vers Mahmoud, est-ce que vous jouez le saxo aujourd'hui? Je joue pas le sax. Je comment dire, je voilà, je ne vais pas vous dire que je joue du sax. Non, je joue pas du sax, tout simplement. OK. Voilà. Mahmoud, tu préfères qu'on revienne sur la question de tout à l'heure, n'est-ce pas? Bon, je pense qu'on peut zapper On ça. peut. Moi, je voulais Non, non, revenir ah non, sur. non, non, mais c'est important d'y répondre, c'est Vas-y, important d'y vas-y. répondre. Alors, vous demandez est-ce que je vis de ma musique? Alors, aujourd'hui, ou en tout cas depuis 2016, je ne fais rien d'autre que de la musique. Là où je vous parle, Dieu sait que demain l'après-midi, je joue. Vous comprenez ce que je veux dire? Je joue depuis que je suis revenu ici, je joue tous les jours, presque tous les mois, j'ai des concerts. Et les jours que j'ai pas de concert, ben, je joue dans le métro, je joue dans la rue, je joue, je vis ma musique. Un musicien dans l'âme, quoi. Et du coup, ben, du coup, comme je vis ma musique, ben, je vis de ma musique aussi. D'accord. Alors, pour juste préciser, en tout cas, je peux témoigner, en tout cas, une chose que pour ceux qui sont, en tout cas, à Paris, je pense que nous sommes nombreux à constater ou à remarquer que Bahane fait quand même partie des artistes mauritaniens. Qui joue souvent dans des bars et comme il a dit, on peut s'apercevoir souvent sur le net ces concerts à métro dans des gares. Donc c'était juste une petite précision par rapport à la question de Mahmoud. Alors Mahmoud, Oui. je te laisse la parole encore. Et les concerts que je fais dans les bars, justement, je les fais avec,
Je joue pendant 2h30 dans des bars. D'accord. Et ces 2h30, je les joue en faisant ma musique, mais en faisant des reprises. En faisant des reprises de jazz, en faisant des reprises de blues, en faisant des reprises de pop, en faisant des reprises de reggae, etc. Donc, c'est ce qui me permet, en tout cas, de jouer tous les jours, presque. Et pour cet album, en tout cas, Mots de tête qui vient de sortir, vous avez constaté que je joue désormais avec un groupe. Et pour l'instant, en tout cas, on avait commencé à la sortie de l'album à Un jouer. groupe qu'on voit souvent, c'est le même groupe qu'on voit souvent sur vos lives Facebook. Exactement. Il s'appelle comment le groupe? Ben, le groupe, c'est Bahan. D'accord, Barhan. Ok, Barhan. Moi, je connaissais Barhan. D'accord. Et c'est des musiciens de jazz sortis de l'école directe. Voilà, ils sont tous diplômés. Cool. Ça fait Voilà. plaisir donc de l'entendre. C'est une Ouais. information à prendre. Alors, Mahmoud, comme je disais, je te laisse la parole, Mahmoud. Merci. Donc, Bahan, je voudrais revenir un peu sur le son Kemit dont mon cas parlait. Dans le son, vous dites Let's do it, unite, stop looting. Et vous dites Farafina will be free. Farafina will be free. Et vous dites Let's change our mentality. Donc, un peu pour dire unissons-nous. Arrêtons de faire des manifestations où on fait des violences. L'Afrique sera libre. Changeons nos mentalités. Donc, ça vient de votre son Kemit. On sait que Kemit, ça vient un peu de l'Égypte ancienne. On appelait les anciens Égyptiens appelaient leur terre Kemit. Donc, où tu appelles à l'unité, à la liberté, au changement de mentalité des Africains. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça, surtout dans le contexte actuel où nous sommes? Ben, écoutez, je pense que ce que j'avais à dire, je l'ai dit dans cette chanson. Je pense que ça arrivera un jour, ouais. Mais en tout cas, ouais, j'appelle à l'unité, j'appelle au changement. Et je pense que si nous sommes encore dans ces situations compliquées, mais c'est parce que justement, ben, on a forcément peut-être des mentalités qui ne peut-être conviennent pas. En tout cas, dans cette chanson, je chante l'espoir, en tout cas, de voir un jour du progrès et du développement dans notre cher continent. Et Kémite, bon, c'est un, comme vous l'avez décrit, ben, c'est les anciens Égyptiens qui appelaient leur pays Kémite. Et Kémite, c'est aussi, signifie africain, en gros. Pour moi, je l'ai pris dans ce sens-là. Et oui, et j'appelle à l'unité. Et j'espère qu'un jour, ça arrivera. Voilà. Donc, en tout cas, D'accord. ce que j'avais en tout cas à dire, je pense ce que j'avais à dire, je l'ai chanté justement dans ce morceau-là. Voilà. Ok, mais je pense que Moka, tu vas nous à propos du clip Diam, c'est ça? Oui, le clip Jam, c'est le clip qu'on vient de voir. Alors, moi, je l'ai trouvé très poétique, comme il l'a signalé avec les ombres chinoises. C'est un clip aussi qui est très coloré, rythmé et très énergétique, que ce soit sur l'image, autant sur l'image que sur le son. Donc, on voit notre artiste qui touche à tout. Il est sur tous les fronts au niveau de la chanson, un peu comme ce qu'il fait, piano, guitare, et mic, des pas de danse et tout ça. J'ai trouvé le clip très agréable. Il est dynamique, entraînant et un visuel qui est très agréable. Voilà, c'est ce que je pensais par rapport à mon visionnage des clips d'hier. Et j'espère qu'il y en aura d'autres sur cet album que j'ai apprécié. Ok, Mahmoud, tu as une question ou Non, pas? j'ai la même appréciation du clip que Moka. Je trouve qu'il est très visuellement très élaboré. Ok, bah on va encore rester sur Moka pour une dernière conclusion, c'est ça, non?
Oui, alors avant d'en arriver aux conclusions, j'aimerais quand même revenir sur certains propos avec lesquels on a échangé avec notre invité du soir. Alors, je pense très honnêtement que vous êtes un artiste, d'accord? Vous vivez de la musique. En tout cas, c'est ce qu'on aspire tous, à faire quelque chose qu'on aime et vivre de ça. Et en ce sens, je pense que les artistes et les sportifs sont ceux qui le vivent le mieux. Donc, faire de la musique, quelque chose qui vous passionne et en vivre, c'est encore idéal. Maintenant, pour en vivre, certes, il y a les concerts, vous évoluez sur un style qui vous met plus souvent sur la scène. Et j'ai pu le remarquer en parcourant votre biographie, en recherchant des infos. Vous aviez des scènes jusqu'au confinement. Et là, ça a repris avec l'information que vous venez de donner. Dès demain, vous allez reprendre les concerts et tout. Donc, vous faites une musique et vous avez besoin de visibilité, pas derrière. Vous avez besoin de vendre. Et je pense que vous avez tout à gagner en essayant de vous promouvoir sur les plateformes digitales qui est actuellement le nerf de guerre. Et avec ça et les concerts, du fait que vous venez déjà de votre musique, réussir sur ce plan-là, avoir plus de visibilité sur ce plan-là, essayer de trouver de nouvelles personnes, les toucher. Par exemple, moi, cette musique, elle me parle. Personnellement, je ne vois pas de différence entre les deux albums, mais moi, je les ai consommés en une fois. Je ne les ai pas consommés dans deux temps qui sont différents. Peut-être qu'il peut expliquer ce ressenti de Mahmoud qui est là, que j'ai pas moi. Moi, je trouve que la musique, les deux albums, c'est une continuité. Et dès que je starte le dernier album, j'ai senti la puissance qui est derrière. Et je me suis dit que cet album, il est plus abouti et que c'est une suite logique du premier. Maintenant, il y a un côté, bien sûr, traditionnel qui se faisait plus ressentir sur le premier album. On a un peu perdu, donc ça, je le reconnais. Mais moi, personnellement, ça ne me dérange pas. C'est une musique que je peux consommer facilement. Je n'ai pas de difficulté avec. Le seul souci que je trouve, c'est que si, par exemple, il n'y avait pas cette émission, peut-être que moi, je n'allais pas vous découvrir. Et je trouve ça un peu dommage. D'où le fait que je dis que je pense qu'il faudrait accentuer la partie communication et marketing afin de pouvoir cibler plus de monde et avoir aussi plus de revenus par derrière. De toute façon, si vous faites ça, c'est pour en vivre. Déjà, vous en vivez. Avoir plus de revenus, ce n'est que tout bénéfice. C'est sûr. Alors, Bahan, Oui. un commentaire sur ce que vient de dire Ben, en commentaire, Moka? Moka, ce qu'il dit, Moka, c'est sûr que c'est très important. Et je pense que il le dit pour peut-être mieux me voir ailleurs. Mais vous savez, au départ, je ne voulais même pas mettre mes chansons en ligne. D'accord? Pourquoi je ne veux pas les mettre en ligne? Parce que tout simplement, les plateformes ne rémunèrent pas les artistes. Je suis allé à la Speedidam à plusieurs reprises, à la SACEM, etc. On en parle tous les auteurs-compositeurs en parlent. Et les plateformes sont les grands gagnants dans l'histoire. Donc nous, moi aujourd'hui, peut-être que tout le monde pense que c'est comme ça qu'il faut peut-être fonctionner et que tout le monde s'y met. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, partout dans le monde, les gens, ils vont sur les plateformes pour écouter de la musique, ils vont, etc. Mais moi, en tant qu'artiste, j'ai même pas en fait envie. J'ai pas envie parce que j'ai justement envie que le CD, il continue à être là. C'est génial un CD. C'est génial une vinyle. Et je défends ça. Je défends aussi le côté artiste, musicien qui veut que l'ancienne modèle Vous continue, défendez le vintage. même si on sait que ça ne sera pas le cas. Après, faire de la communication, on est un petit peu obligé. Et je pense que, ouais, t'as raison en disant ce que tu dis. Il faudrait que peut-être qu'on fasse plus de com ou pas. En tout cas, comme je vous le dis, moi, je reste artiste et j'adore ce que je fais. Et je vais le faire toute ma vie, la musique. C'est Et tout ce qu'on peut faire. je fais confiance au travail. Voilà, comme il a dit Moka, c'est. Par contre, je vais juste revenir sur un point. Les plateformes, Vas-y. elles rémunèrent. Toutes les plateformes de stream légales rémunèrent, que ce soit Deezer, Spotify, YouTube, et maintenant même Facebook et tout, toutes ces plateformes, elles rémunèrent. La SACEM, je ne sais pas si vous êtes enregistré et si
Je sais pas quel type de contrat, quel type d'argent vous avez. Non, 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 moi je suis à la SACEM, je suis dans toutes les structures musicales en France, ici, France. Je suis partout, là. Maintenant, comme je vous l'ai dit, Vous êtes aussi avec un distributeur? croyez-moi, les plateformes ne payent pas les musiciens. Si vous voulez, je vous envoie un mail qui justifie ce que je dis. Les Alors, moi, plateformes. j'ai des infos qui justifient le contraire et que ces plateformes les rémunèrent. Non, 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 non. Les Récemment, plateformes des études illégales et comment? C'est un débat, en tout cas, moi personnellement, c'est un débat Non, en fait, c'est une information qui existe sur le net, c'est toutes ces Non, 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 plateformes. non, non, je vais Voilà, vous expliquer. C'est Non, non, je vous un explique. débat à double, Moka, attends. Attends, attends. comment on dit, à Non, double non, non. avis. Laissez-moi vous Il y en a qui expliquer. pensent le contraire, Non, ou non, combien laissez-moi vous qui pensent expliquer. l'inverse? Laissez-moi vous expliquer. Allez-y. C'est-à-dire que si je vous dis qu'elle ne rémunère pas les artistes, ça veut dire que ce sont les plateformes qui sont gagnants dans l'histoire. Avant, tu vendais ton CD à 20 euros, c'était ton CD. Aujourd'hui, tu fais des vues, on te rémunère à des miettes, c'est-à-dire que c'est des miettes. Hein? Je ne vais pas vous donner le chiffre exact parce que c'est ridicule. Maintenant, il faut, en tout cas pour l'industrie musicale, pour les artistes qui sont hyper connus, tu fais des millions de vues, des millions et des milliards de vues. Ces gens-là, ils peuvent s'en sortir peut-être et gagner un petit peu d'argent par rapport à ça. Et ça ne Beaucoup représente d'argent. rien par Alors là, rapport à beaucoup d'argent, je vous promets. ce qu'ils devaient gagner. Voilà, donc il y a une rémunération qui se fait, mais qui ne représente rien du tout. Et comme Non, je vous le dis, c'est ça, je ne suis pas d'avis. Mais comment? d'accord, on est en ligne, on va en parler en off et je vais vous donner des preuves avec plus d'arguments. On pourra Il n'y a mieux pas de échanger problème. le sujet. Merci, Mais merci, les merci plateformes, Moka. Non, non, on va finir ce débat-là en off, comme il a dit Moka. Je pense que D'accord. même moi-même, j'aurai à apprendre certaines choses, parce que là, je suis dans le doute, complètement dans le doute. Mahmoud, je te laisse faire ta dernière conclusion, et puis on passe aux questions des internautes. Non, moi, ce que je voulais dire, je ne suis pas intervenu sur le débat de la rémunération, parce que je pense que chacun a, c'est par rapport à où il voit son intérêt. Je pense que ce que si je comprends bien ce que Bahan veut dire, c'est que les plateformes ne rémunèrent pas assez et qu'il préfère peut-être vendre son album en indépendant plutôt que d'utiliser les plateformes et qu'il a d'autres moyens de gagner de l'argent, comme il dit, dans les concerts et autres. Moi, ce que je veux dire, c'est que c'est quelqu'un que je suis depuis 2011. Donc, je l'ai déjà dit dans mon introduction, je suis fan, j'ai écouté l'album Ndaysan. Je n'ai peut-être pas les mêmes atomes crochus avec cet album-ci qui s'appelle Maux de tête. Mais bon, je lui souhaite tout ce qu'il y a de mieux. J'espère qu'il va continuer à évoluer et peut-être que le prochain album sera quelque chose que je vais écouter tous les jours. Ce que je veux faire aussi, c'est appeler tout le monde à aller écouter l'album Maux de tête qui se trouve dans Deezer, Spotify et autres, et à peut-être écouter l'album l'album Desan aussi, qu'on peut retrouver sur rapprim.com, mais qu'on ne retrouve malheureusement pas sur Deezer et Spotify. Donc voilà, Bahan, je vous souhaite tout ce qu'il y a de mieux. J'espère que le prochain album va me ramener parmi les fidèles followers. Il arrive bientôt en plus. Ah La ouais, semaine plus. prochaine, Exclusivité. on est en résidence avec mes musiciens. On a une semaine de résidence et D'accord. bientôt, ben on va sortir un nouvel album. Ah, cool. Ok. Qui Ça, c'est sera une. la continuité de l'album Maux de tête. Attention aux oreilles Pas trop de saxo, j'espère. Parce que attention aux oreilles, parce qu'en Mais fait, si, allez-y, à fond avec le saxo, je suis fan. tout simplement, je ne vais pas me répéter, je vous le promets. Ouais. Je ne me répète jamais. Je continue à marcher, je continue
à explorer. Et la musique, elle est large et j'adore ça depuis très longtemps. Du coup, je ne me limite pas, en tout cas, je ne m'arrête pas à un style de musique particulier. Je fusionne et ça veut tout dire. Je vais mélanger, en tout cas, et continuer à mélanger. Voilà. Eh ben, nous, on vient d'entendre une très bonne nouvelle, à savoir un album qui va apparaître bientôt. C'est cool. Je l'ai Alors, pas dit est-ce encore. J'ai dit la vous êtes semaine en prochaine. résidence? J'ai dit Non, la on est semaine en équipe. prochaine. La semaine prochaine, on est en résidence. Oui. Et justement, avec ces musiciens, moi, j'étais parti au départ, j'étais parti sur sortir encore un troisième album en 2021. Mais vu la situation et les circonstances, on ne sait pas trop comment ça va évoluer. J'ai repris les concerts dans les bars la semaine dernière. D'accord. Demain, je joue, comme je vous le dis. Maintenant, c'est probable que l'album soit retardé un petit peu, on va dire. Peut-être fin 2021 ou 2022. Mais 22. sachez que j'arrive encore à nouveau. Mais ok, ça Je, reste quand même voilà. une très bonne nouvelle. Alors, il y a, depuis tout à l'heure, on parle de Bahan en tant qu'artiste. Moi, je viens de découvrir quelque chose sur vous. Que je vais partager déjà avec Moka et Mahmoud, que les internautes ont vu. Alors, à savoir, nous ne savions pas que Bahan était coach. Alors, il s'appelle Diggo Amsi. Il dit, Cher fut mon coach vocal au début des années 2000. Diggo Amsi, ça vous dit quelque chose? Amancy Digo, bien sûr. Exact. Je le connais très bien. C'est mon, on a été dans la même classe au collège. Je le salue au Cool. passage. Je le salue, je lui fais Ok, un là gros c'est big up. l'importance. Il y a un frère à moi. Alors j'ai. Ok, d'accord. Alors on le fait en tout cas comme il a dit Mahmoud, on lui fait un gros big up, un shout out. J'ai Mohamed Sall qui a dit, j'ai streamé l'album après les recommandations de Yero Gainako et c'est un bon album à mon avis, Mohamed Sall. Ça, c'est un avis. Mohamed Sall, c'est gentil. C'est Voilà, gentil de sa merci à part. lui. On Merci a à lui. encore Fadil d'Adidelp Camara, qu'on salue de passage, qui est un fidèle Merci. internaute, un fidèle Salut. téléspectateur, en tout cas, de eremi-info.com. Shout-out à toi, Fadil. Fadil nous dit, Barhan, vous êtes un grand artiste, cela fait aucun doute. Par contre, en termes de plan de carrière, je suis désolé de vous le dire, il va falloir revoir votre copie d'après vos explications, arguments et visions. J'ai pas compris. Alors, il dit que, je répète, comme il a dit, comme il a écrit, comme ça a été écrit, je reprends mot par mot. Barhan, vous êtes un grand artiste, cela ne fait aucun doute. Par contre, en termes de plan de carrière, je suis désolé de vous le dire, il va falloir revoir votre copie d'après vos explications, arguments et visions. Ah. D'accord. Bon, ça c'est comme Moka qui me donne son avis aussi par rapport. Vous savez, Et en plus, on c'est est frères. gentil. C'est son Voilà. petit frère. C'est gentil. C'est gentil de sa part. Alors, mais Youssouf, Oui. non, mais franchement, bon, c'est sympa. Merci. Ok. Alors, c'est toujours Fadil qui vous dit, moi, j'aime le saxophone. Après l'analyse de Mahmoud Chérif, j'ai juste envie d'écouter l'album. Tu vois? Ok. J'ai Oumar Lom. À quand un concert à Nouakchott? Ah, ce sera très bientôt, dès que les frontières ouvriront, je viendrai à Nouakchott et je vous assure que je jouerai jam et vous danserez du wango. Ok. Khadija Mohamed, on apprécie les concerts de Barhan en France. Ou apprécier. Comment? Ou apprécier. Ou apprécier les concerts de Bachan en France.
Ah, d'accord. Où apprécier les concerts de Barhan? Merci, Moka, pour. J'avais pas. Où est-ce qu'on peut, à savoir, où est-ce qu'on peut Apprécier retrouver mes son service? concerts. Ben, comme je vous l'ai dit, je si elle veut, elle peut passer par ma page Facebook, mais je joue dans des bars et comme je vous l'ai dit, ces bars-là, je ne mets pas les dates concernant ces concerts-là. Je ne les mets pas. Pourquoi je ne les mets pas? Parce que justement, je considère que là, mon projet perso, comme je vous l'ai dit, c'est Maux de tête qui vient de sortir. Et tous les concerts que je fais avec le groupe et qui concernent Maux de tête, ce sont ces concerts-là que j'annonce. Mais si elle veut venir me voir en concert de jazz ou blues, etc., elle pourra toujours me contacter par mon Facebook et je lui donnerai les dates. D'accord. Donc voilà, si Khadija, s'il nous entend passer par Barhan pour avoir les dates de concert. Alors, Je vais on pas va discuter forcément faire de la de la pub, on va pub. dire, pour De la pub. voilà. Allez-y, Mais Barhan. je les mets Voilà. pas. Ces Oui. concerts-là, ces concerts que je fais en slow, au début, si vous avez fouillé un petit peu sur ma page, vous allez constater qu'au début, je mettais ces concerts-là. Aujourd'hui, je ne les mets plus. Mais je joue D'accord. demain. D'accord. Elle D'accord. contact demain, je lui envoie dans le 5e arrondissement. OK. OK. Donc voilà, je pense qu'elle vous contactera directement sur votre Voilà. page Facebook ou sur votre compte. Alors, Bahan, on va bientôt finir cette interview. Ouais. Je rappelle que votre dernier album est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Il y a une version physique aussi qui existe, les CD. Comment on peut faire pour avoir les CD aujourd'hui? Alors, pour les CD, vous pouvez les commander sur Bandcamp. D'accord. Voilà, Alors, Bandcamp. Le ok, CD, il bien. est là, je vous le montre d'ailleurs. Vous savez, on a parlé de beaucoup de choses, mais on n'a pas parlé forcément. Donc, ça, c'est le CD, l'album Maux de tête qui est sorti. Vous pouvez l'avoir sur Bandcamp. Bon, Ndaysan, il est là, mais malheureusement, il n'est plus. Et puis voilà, vous savez, j'ai fait pas mal d'autres choses entre-temps. Ça, c'est une compilation que j'ai fait donc après mon album Deysan. Dans D'accord. cette compilation de la francophonie, il y a plein d'artistes hyper connus, Takana Zayan, Blik Bassi, Tiken Jaffa Coli, Dobek Nahoré, Awadi, du Sénégal, etc., etc., Degeti. Donc ça, c'est, voilà, et à Bahreïn, là, si vous pouvez le voir, je sais pas si vous le voyez, là, hop. Et là, en 2010, donc depuis 2009, il s'est passé quand même plein d'autres choses. Vous savez, avant de faire aussi des interviews, il faut quand même voir ce qui se passe un petit peu. Voilà, ça c'est en 2010. Et j'y tiens aussi à rappeler que le côté hip-hop, comme on l'a dit, commençait et tout. Aujourd'hui, peut-être que le public a changé, mais D'accord. Neprix Mauritanie de Je avec Papi Skimi, c'était moi aussi. Voilà. Maintenant, l'album Maux de tête est à jour. Et comme je vous le dis, d'ici 2021 ou 2022, en tout cas, on sera à nouveau sur un nouveau projet. Voilà. un projet. En tout cas, Voilà. je rappelle que l'album, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'album est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Ça peut paraître nouveau pour nous, Mauritaniens, qui ont consommé Ndaysan, mais je rappelle quand même que ça reste un très bon un album à consommer sans modération. Il y a beaucoup de sonorités à découvrir sur cet album et beaucoup de thématiques aussi que moi, personnellement, que j'ai aimé. On peut y retrouver des morceaux, si vous êtes passionné d'amour, voilà, il y a des morceaux qui parlent d'amour. Il y a des morceaux qui parlent de paix. Voilà, il y a tout un
tout un, comment on appelle ça, il y a tout un, c'est tout un cocktail de bonnes vibes et de nouveautés, comme je l'ai dit, de nouvelles sonneries. En tout cas, Barhan, merci d'avoir accepté notre invitation. Je te le dis encore une fois de plus. Avant de finir cette émission, nous avons une traditionnelle, une question qui est devenue maintenant une tradition dans cette émission, à savoir, on demande à chaque fois à notre invité quel artiste il aimerait voir prochainement dans cette émission. Alors, moi, si vous me posez cette question, je pense que je vais vous donner toute une liste qui ne va pas se terminer. je vais en citer quand même quelques-uns. Et, allez-y. Pour pas faire de polémique. Et je vais en citer quelques-uns parce que je le pense. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes mauritaniens qui ont besoin de visibilité. Justement, je reviens sur ce que Moka disait. Parce que justement, on vit aussi dans un pays très compliqué socialement, très compliqué politiquement. Et du coup, ça me fait penser donc à, je vais dire, Oulad Leblad, qui sont hyper connus, c'est sûr. J'aimerais bien les voir. Papi Skimi, qui est aux États-Unis, pourquoi pas. Un super bon artiste, très, très talentueux, qui est Sipi. Sipi, pour moi, c'est l'un des meilleurs en Mauritanie. Et je vais penser aussi à Ziza, je vais penser, comme je vous le dis, à Franco Man, qui est un super rappeur de ouf. Voilà, je pense à lui aussi. Et d'autres. Excusez-moi, je ne pourrais pas tous les citer. Mais je pense en tout cas à vous, tous ces artistes qui aiment ce qu'ils font et qui le font juste sans attendre quoi que ce soit. Alors, pour tous ces artistes que Barhan vient de citer, sachez que la porte vous est ouverte, vous êtes les bienvenus dans cette émission Rime Croisée Live. C'est quand vous voulez. Je pense qu'on avait envoyé une invitation au Lab Le Bled, donc il n'y a pas eu encore de suite. On espère avoir une réponse favorable. En tout cas, ils sont les bienvenus dans cette émission. Cette émission appartient à ces artistes sans distinction. Moka, quel artiste tu aimerais voir prochainement? Oui, j'ai ajouté juste qu'on a envoyé une invitation à Vlad Leblad, ainsi que tous les autres, hein, Sipi, Franco Men, la liste est longue, comme il l'a dit. Et avant d'en venir à la question, je voudrais, voilà, comme d'habitude, souligner le travail qui est fait. Encore une fois, c'est des albums de qualité et c'est des albums en style que j'affectionne, les albums live studio, ça me parle et j'aime bien. Et je sais que ça demande beaucoup de temps, de l'énergie et de la coordination et que voilà, c'est un opus qui a saigné, qui a consommé et je trouve un peu dommage que ça ne soit pas très visible. J'ai envie qu'il soit plus visible, j'ai envie qu'il soit plus écouté, j'ai envie qu'il soit plus consommé, j'ai envie qu'il le soit en CD, on va dire à l'ancienne, et aussi qu'il soit disponible sur les plateformes de téléchargement légal, qui pour moi est le nerf de guerre aujourd'hui. Le nerf de guerre s'oriente vers le digital. Donc j'invite tout le monde à streamer, à écouter Barhan, il est dispo sur YouTube, sur Deezer, sur Raprim, au passage Sali, Big Bax qui gère bien la page, et le premier album je l'ai écouté grâce à la page de Raprim. Voilà. Comme invité, j'aimerais bien voir moi un Maxime Dadi. Yes, voilà. Pourquoi pas? Ah oui, en tout cas, comment il s'appelle? Je dis Mahmoud. Maxime Dadi, si tu nous entends ou si tu écoutes ou si tu tombes sur cette émission, tu es le bienvenu. Welcome, comme on dit, Marbebik. Mahmoud, tu aimerais voir qui? Oui, merci You. Avant de dire qui j'aimerais voir, j'aimerais aussi rappeler qu'il faut soutenir nos artistes. Donc, nous, cette plateforme, on l'a mis en place pour soutenir nos artistes pour qu'ils puissent avancer. Donc, si vous êtes à Paris, allez sur la page Facebook de Barhan. Vous verrez les dates de ses concerts blues ou bien posez-lui la question directement. Allez le soutenir, achetez les CD directement. Il a, comme il dit, 2 CD, une compilation. Donc, allez acheter ça. Et pour ceux qui... Voilà. Ouais. Et 2 compilations. Et les albums sur Bandcamp.
Vous pouvez les commander sur Bandcamp. Ok. Si vous les voulez en physique, Bandcamp, c'est un site où tu peux vraiment commander ton album si tu le veux. En physique. Bandcamp. Ouais. Ça s'écrit Peut-être tu nous donneras le lien. On va le partager sur la page de Rémi. Ça marche. Voilà. Et enfin, pour ceux qui ne sont pas à Paris, allez streamer les albums. Comme je l'ai dit, moi, je ne suis pas trop fan du dernier album. Mais pour ceux qui sont fans, et on a déjà vu qu'il y a certains qui sont fans et qui aiment bien ce type de sonorité, allez-y, streamez là. C'est de l'afro jazz. Et moi, j'attends le prochain album. Et je te remercie, Bahan, pour tous les bons moments que j'ai vécu avec l'album d'Eistan. Yes. Enfin, celui que j'aimerais voir, moi, j'aimerais voir soit Hamzo Brain ou bien Monza. Monza. Mais Mahmoud est un visionnaire. Ah oui? Alors, je t'annonce que Monza sera le prochain invité de Rue Croisée Live. Il sera là. Bienvenue. Mahmoud, t'as vu juste. Ok. Donc voilà, il sera notre prochain invité. En tout cas, on va finir cette émission. Je veux dire merci à Moka, merci à Mahmoud également. Un grand merci à Barhan qui a accepté notre invitation. Son album est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Allez-y écouter, allez-y soutenir. Ceux qui veulent avoir le CD, il l'a dit, ça, il y a un site qui s'appelle Bandcamp. Vous pouvez aller commander votre CD. Il vous sera livré chez vous si vous êtes en Europe, aux États-Unis. Plus facilement. Mahmoud vous l'a dit tout à l'heure, même si vous êtes en Afrique, vous pouvez quand même streamer. Ça fait toujours plaisir de soutenir nos artistes qui défendent nos cultures. Sur ce, on se dit rendez-vous à très bientôt sur erimiopo.com dans Rue Croisée Live. Shout out à tout le monde. Et je dis un big up à Racine Lee qui nous a envoyé un message, un ami de collège que nous saluons de passage. Merci beaucoup. Merci. Salam. Merci à tout le monde.